Salut à tous, comment allez-vous? Moi je vais super bien, donc je suis ici pour vous présenter un gameplay sur Skyvengers. C'est un TPS PVP PVE. En gros, on joue joueur contre joueur et en même temps on joue contre l'environnement. C'est un jeu qui se joue en trio. Bon, moi malheureusement je joue tout seul parce que j'ai pas d'amis. Il est sorti en avril 2021 sur PC pour le moment. Donc sur console ça va être beaucoup plus tard. Voilà, je vous en dis pas plus et je vous dis à tout de suite pour le gameplay. Donc voilà, nous sommes dans ce fameux menu Skyvengers. Alors comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de choses. Alors je découvre en même temps que vous, mais bien évidemment j'ai fait le mode tuto dans lequel ça t'explique à peu près comment fonctionne le jeu, comme d'habitude. Bon, alors nous avons, je vais vous montrer, nous avons les explorateurs. Les explorateurs, ce sont les personnages. Alors nous en avons 7 pour le moment. Il faut en débloquer en fonction que tu joues, je suppose. Alors nous avons Tariq. Alors, Tariq, lui, c'est quoi? Alors, vous avez bien évidemment une capacité. Chaque joueur a une capacité. Donc, lui, sa capacité, c'est une, je crois que c'est une mine, je crois, une mine étourdissante. Elle, Valora, c'est un bouclier rigide. Alden, c'est quoi? C'est de la vie, d'accord. Il remet de la vie dans un cercle. Par exemple, si tes mates sont autour de toi, tu peux leur donner de la vie et il a un fusil automatique. Ok. Donc, voilà. Donc, plusieurs explorateurs qui ont chacun leur propre capacité. Alors, je sais pas si je vous l'ai dit, si ça se joue en trio, alors j'espère que je vais tomber sur des bons mates parce que j'ai pas d'amis. J'ai pas d'amis dans sur ce jeu-là, donc on va essayer. Alors, t'as des défis, ouais, défis, utiliser boost thermique, arriver dans les 3 premiers d'un match et fabriquer une arme fétiche. Alors, dans le tuto, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de choses à faire. C'est pas que du fight, hein, c'est aller chercher des ressources, aller chercher... des pièces pour améliorer vos armes, tu peux faire pas mal de choses. A few moments later. Allez, c'est parti. Je suis tout seul. Oh putain, c'est barré. Oh la vache. Moi, je suis tout seul. Bon bah c'est pas grave, on va essayer de se démerder tout seul. Hop. Hop. On récupère du stuff. Bah, tu peux faire des roulades, des glissades, des sauts de malade. Voilà, donc là c'est parti. Ah ouais, alors les armes, tu peux les améliorer. Bien évidemment. Bon, on va essayer de faire quelque chose. Hein. Je suis tout seul, alors contre 3, je sens que je vais me faire défoncer, mais voilà. Le mec qui devait avec moi, il s'est barré. Donc allez, c'est parti, on y va. Je suis désolé, hein, je découvre en même temps que vous, donc je sais pas trop ce qu'il faut faire pour le moment. Pour l'instant, j'essaie de prendre les objectifs. J'ai pas rencontré. Oh putain. Oh, d'accord. Oh. Ok, il y a... Ouais. Quand je vous dis il y a d'autres monstres, il n'y a pas que des joueurs. Donc c'est ça le PVE. Alors, ce qu'on va essayer, on va essayer de faire ça bien. On va essayer de récupérer pas mal de trucs. Ah, le truc c'est que vu que je suis tout seul, je... Ah, y a... je crois que... J'ai vu quelqu'un. Alors je sais pas si c'est un joueur ou pas. Oh, putain. Aïe. Aïe. Ah, j'ai un objectif, ok, localiser. Ah, les glissades. Hop. Alors. Oh. Down.
Hop. Oh. Allez. Hop. Alors, au début, je pense qu'on va pas rencontrer... On va pas rencontrer beaucoup de... Hop. Aïe, aïe, aïe. Je vais pas rencontrer... Aïe. Beaucoup de joueurs. Alors, ce qu'on va faire, on va récupérer ça. Récupère. Je récupère des points de données là. Hop. Data received. Good work, explorers. When the time is right, I'll send a drop ship to explore. Voilà. Hop. Je vais me mettre à l'abri, ok. On va s'y mettre, hein. Bon, bah pour le moment, ça a l'air d'aller. Ah, est-ce que je peux... Oh yeah. Crafting gear. Je craft mon armure. Enfin, j'améliore mon armure. Putain, il reste 2 minutes pour le vaisseau. Avant que les vaisseaux arrivent. Enfin, faut vraiment que je fasse attention vers la fin parce que je pense que c'est là que je vais croiser d'autres joueurs. Je comprends un tout petit peu, mais c'est vrai que c'est pas évident à prendre en main, mais... Il m'a fait mal. Putain, il y a du monde là. Oh la vache. Ah, pour l'instant, c'est... Putain, j'ai pas ce bidon. Vas-y, les finir au pompe. Putain, j'ai pas souvenir. Ah, il faut que j'y aille. A few minutes later. Donc il me reste 4 minutes 33. Décollage. Ah, je sais pas s'il y a du monde sur ce serveur parce que là j'ai croisé vraiment personne. Keepers on it.
Extraction ici. Bon, bah... Ouais, bon, on va dire que c'était pas terrible comme serveur, hein. Donc voilà, j'espère que ce gameplay vous aura plu. Merci aux nouveaux abonnés, merci à ceux qui sont abonnés, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, ça me fait plaisir de vous répondre, même que ce soit négatif, hein, mais un négatif bien évidemment détaillé. Donc voilà. Soyez là, samedi 17 juillet, il y aura une vidéo spéciale. Vous allez voir, j'ai deux choses à vous annoncer. Sinon, bien évidemment, prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.